Bonjour tout le monde, un petit présentation et test d'une imprimante portable thermique de la société Moonbeam. C'est un produit qui m'a été envoyé pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Elle existe en trois couleurs. On est sur la haute résolution et elle est économique. Il n'y aurait pas de toner. Elle pèse 756 grammes. Au niveau de l'entrée, c'est du 5 volts, 2 ampères, 10 watts. La définition, c'est de 203 jusqu'à 304 dpi. La batterie, 2600 mAh, 3,7 volts. La largeur d'impression, c'est du 8,5 pouces, 21,6 cm. Et au niveau de l'imprimante, on est sur de l'impression thermique. On y trouve la notice d'utilisation, avec de nombreuses langues, dont le français. Une clé USB. Un adaptateur USB-C-USB. Un câble USB-A USB-C et l'imprimante. Alors on est vraiment sur une petite imprimante. Largeur 28,5 cm. Profondeur 8,5 et hauteur 6 cm. Sur la partie haute, il y a un petit bouton pour l'allumer. L'orifice de sortie. On est sur du 22 cm. À noter qu'il y a un petit système pour couper, pour découper la feuille. Sur la partie en dessous, il y a 4 petits pieds. Le port de charge USB-C. Sur les côtés, il y a des petits boutons. Ça permet d'ouvrir l'imprimante avec un rouleau de feuilles. Avant la première utilisation, vous chargez l'imprimante. Lorsque la charge est terminée, c'est indiqué vert. Concernant l'utilisation avec téléphone portable, tablette, etc., etc., vous devez installer l'application Sharp Fox. On fait ouvrir. J'accepte, là je vais faire le mode invité. Vous sélectionnez votre imprimante, moi c'est une A4 printer. Ok, et voilà. Alors dans ce premier test, je vais imprimer une page d'une notice. J'ouvre mon fichier. On va l'ouvrir avec l'application Sharp Fox. Un nouveau document a été détecté, confirmé. C'est un gros document, il y a plusieurs pages. Voilà, c'est terminé. J'allume l'imprimante, j'appuie sur le fichier, connecté, là il a trouvé l'imprimante ITP04, connecté, j'ouvre le fichier, alors on va imprimer, je vais imprimer la page 3 et 4, intervalle d'impression je mets 3 et 4, type de papier rouleau, au niveau de la densité d'impression j'ai mis mieux, c'est parti, continuez. Et après, je fais Next. Je vais imprimer une page uniquement du texte. Là, c'est la page 60. C'est parti. Au niveau de la vitesse d'impression, c'est correct. A noter que immédiatement, c'est bien fixé. Vous voyez, ça bouge pas. En termes de qualité d'impression, bah écoutez, ça donne un très bon résultat. Vous voyez, ça donne une bonne impression. Pas de problème. Là, vous voyez cette page, ce que ça peut donner. Écoutez, ça donne un bon résultat. C'est bien visible, il n'y a pas de problème. On va tester une photo couleur. À noter qu'on est sur une imprimante monochrome. Au niveau de la photo, je fais partager. Je sélectionne Sharp Fox. Confirmer. Imprimer. Connecter. Imprimer. Densité d'impression, on va laisser mieux. On fait imprimer.
Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Vous voyez, ça donne un résultat correct. On va tester cette même photo sur leur papier A4 Premium Thermal. Je retire le papier rouleau. Et là, je suis plus sur du rouleau papier, ce qu'ils appellent du papier plié. On est sur du A4. Et je fais imprimer. Avec leur papier standard rouleau et leur papier A4 Premium, bah écoutez, dans les deux cas, ça donne un bon résultat. Au niveau du papier premium, la définition est peut-être encore un petit peu meilleure par rapport au papier classique. Dans les deux cas, ça donne un bon résultat. Là, je vais scanner avec mon téléphone une page neutre. C'est une application qui s'appelle Simple Scan. Je vais laisser les paramètres par défaut. Je valide. Partager. Vous voyez, je sélectionne Sharp Fox. Confirmer. Connecter, connect. Il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'imprimer. Imprimer. C'est une application de scanner, donc on ne peut pas avoir la même qualité. C'est vraiment un titre indicatif. Là, vous voyez ce qui a été imprimé et la recette originale. Vous voyez, ça donne un très bon résultat. La qualité est un petit peu en dessous de l'original, mais là, j'étais sur une version scannée. Vous voyez ce que ça peut donner. En tout cas, c'est parfaitement exploitable. À ce niveau-là, c'est un petit peu plus clair, parce que là, c'est vraiment un problème au niveau du scanner. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus clair également. Ça donne un résultat très correct. Là, j'imprime une page d'une recette PDF. Là, on est sur le papier basique. Là, on est sur le papier A4 Premium. Avec le papier Premium, on a une qualité un petit peu au-dessus du papier rouleau. Dans les deux cas, on a un très bon résultat. Là, vous voyez le Premium et là, le classique. Ce qui est bien mon rouleau, c'est que lorsque le papier a terminé de s'imprimer, l'impression s'arrête immédiatement. Ça ne va pas continuer sur une feuille A4. Ça fait un document plus petit. On va utiliser l'imprimante avec un ordinateur Windows. Première chose à faire étant d'installer l'imprimante. Pour cela, vous prenez la clé USB. Vous la mettez dans l'ordinateur. On va installer le driver de l'imprimante. Vous cliquez sur le fichier Mubin ITP WinDriver. Vous avez plusieurs méthodes d'installation. Si votre ordinateur, comme le mien, il est Bluetooth, autant sélectionner la méthode Bluetooth. Si votre ordinateur n'est pas Bluetooth, là vous pouvez sélectionner la méthode USB. Il faudra alors brancher la prise USB entre l'imprimante et l'ordinateur. Donc moi, je vais sélectionner Bluetooth. Je vais allumer l'imprimante. Installer. Là, on sélectionne l'imprimante. On fait suivant. En bas, on a un petit menu qui s'affiche. On clique dessus. Et là, on fait autoriser. On ferme. Et l'installation est terminée. Il est très important, quand il y a la petite fenêtre, de cliquer et d'autoriser. Là, je vais imprimer une recette. Je fais imprimer. Au niveau de l'imprimante, il faut sélectionner l'imprimante Mubin. Là, je vais dans Voir plus. Je prends mon imprimante Mubin. Là, je vais imprimer simplement la page numéro 28. Et là, je fais imprimer. Et là, ça envoie dans l'imprimante. Et l'imprimante est bien compatible ordinateur via le Bluetooth. On va imprimer un autre document. Ça, c'est sur la clé USB. Écoutez, je vais imprimer cette page. Je vais sur l'imprimante. Vous sélectionnez Mubin IPT. Et là, je fais imprimer. Et là, il n'y a pas de problème. J'ai imprimé mon document. Vous voyez, la qualité est correcte. Et c'est immédiatement sec. Je vais imprimer une photo. Là, je fais imprimer. Je sélectionne l'imprimante Mubin IPT04. Et je fais imprimer. Et là, j'ai la photo que j'ai réussi à imprimer.
Et il n'y a pas de problème. Et ce, en Bluetooth. Voilà pour la petite présentation de l'imprimante thermique de Moonbin. Au niveau des avantages, on est sur une assez bonne qualité d'impression. C'est immédiatement sec, ça bave pas. J'ai imprimé plusieurs étiquettes au niveau des points relais. Aucun problème au niveau des points relais. Les colis ont toujours été acceptés. On est sur une faible consommation. La batterie est annoncée pour 360 pages. Pour l'instant, j'ai fait 29 pages et aucun problème d'impression. Une assez bonne définition qui va de 200 jusqu'à 300 dpi. A noter qu'au niveau de la qualité d'impression, j'ai jamais mis le maximum. Compatible avec différentes tailles de feuilles. Compatible téléphone, tablette, mais également ordinateur. Sur ordinateur, on peut l'utiliser en câble USB ou en Bluetooth. Elle est petite, légère, facilement transportable. En mode rouleau, lorsqu'il n'y a plus rien à imprimer, elle s'arrête automatiquement, ce qui peut éviter de gâcher du papier. Leur papier rouleau de base donne une bonne qualité. La vitesse d'impression qui est correcte, généralement 30 secondes et ça peut aller jusqu'à 60 secondes. Il n'y a pas d'encre, on fait des économies d'encre. Au niveau des points négatifs, c'est uniquement compatible papier thermique. L'impression sur du papier thermique n'est pas permanente. Généralement, c'est annoncé à 2-3 ans. Pour le papier premium, c'est une durée de vie de 3 ans. Faut pas imprimer des documents importants, parce que dans le temps, ça risque peut-être de s'effacer. Après, c'est la première thermique que je teste, donc je sais pas du tout dans le temps ce qui va se passer. Le papier rouleau qui a tendance, finalement, à se plier en rouleau. Pour les niveaux de gris, on est un petit peu limité. C'est une imprimante qui se destine plutôt à des usages occasionnels. En tout cas, un avis positif sur l'imprimante. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.